L'intention, c'est d'abord de faire connaître bien le sculpteur Jean Cardo, qui est déjà connu en Chine, puisqu'il a déjà fait une grande exposition au Musée National il y a 10 ans, en 2013. C'est l'occasion aussi de montrer les collections du Musée National des Beaux-Arts de Pékin, de participer au 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Il y a 10 ans, c'était le 50e anniversaire. À cette occasion, Jean Cardo a offert une statue du général de Gaulle au Musée national. Et cette année, nous espérons pouvoir satisfaire beaucoup le public chinois, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un public curieux, intéressé et qui a beaucoup de curiosité pour l'art. Nous avons des relations avec Qingdao depuis longtemps, donc c'était tout à fait naturel de venir dans ce très beau musée dont on nous a donné la possibilité d'organiser cette exposition, et évidemment on le fait avec joie. Et nous serons très très heureux d'accueillir les habitants de Qingdao, et ce public que j'aime beaucoup, très intéressé, très curieux, très populaire, qui va certainement apprécier cette exposition. Tiens, c'est derrière.